la réalité gagne toujours, elle vient de nous rentrer directement dans la figure. On se rappelle qu'on a évité un certain nombre de crises parce que le téléphone rouge a été installé entre Washington et le Kremlin juste après l'issue de la crise de Cuba. Et vous savez qu'il y a toujours un lien électronique cette fois qui reste ouvert entre ces deux grandes capitales. L'Ukraine, c'est l'Afghanistan de l'Europe. C'est le ventre mou de ce qu'on appelait le grand jeu. Le grand jeu, c'était quand les empires décidaient de ne pas se rencontrer brutalement et créaient un espace intermédiaire, une sorte de terrain de jeu où on pouvait se taper sans se faire trop mal. Ceci a été déterminé à deux moments précis de l'histoire par M. Brzezinski, il y a 50 ans, qui expliquait que la Russie était un empire avec l'Ukraine, mais que sans l'Ukraine, elle n'était qu'un État. Et donc, il y a toujours eu une volonté très particulière de, à tout prix, n'avoir qu'un seul empire, l'empire américain. Ils n'ont pas vu arriver la Chine, et désormais, c'est un jeu d'échecs à trois. Les deux premiers décident de l'élimination du troisième avant de se battre entre eux. L'Europe n'a fait que se battre entre elles, elle n'avait pas compris le reste. Et donc, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est la préparation à un rééquilibrage général, où on ne sait pas très bien qui va gagner à la fin, mais tout le monde va se battre pour accéder à la prééminence stratégique. Les Russes ont plus peur des Chinois qu'ils n'ont peur des Américains. Les Chinois ont plus peur des Américains qu'ils n'ont peur des Russes. On propose aux soldats russes de tuer la mer. La Russie de Moscou aura un prix à payer devant l'histoire et devant sa propre histoire. Comment est-ce que cette guerre se manifeste? Nous sommes en 2022. Une guerre, ce n'est pas que des chars et des obus. Une guerre, c'est une guerre cyber, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre du contrôle des énergies. C'est une guerre de cooptation des élites. C'est une guerre qui vise à nous affaiblir depuis l'intérieur. Je suis britannique, mon pays a été affaibli par l'ingérence russe dans le Brexit. Et ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous cru à cette paix par le commerce, alors que la vieille règle, c'est « civis pacem, parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. J'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent. Les tibias rataplats, les mollets trop épais. L'Ukraine compte 15 réacteurs dans 4 centrales en activité et c'est la première fois qu'une guerre a lieu au milieu d'installations de ce type. Une situation à très haut risque. Préoccupée par la situation, l'Agence internationale de l'énergie atomique a rappelé ces derniers jours que le droit international interdit toute action militaire menaçant une installation nucléaire.